soi. Yon pays qui danse loi, yon pays qui souffre. Yon pays qui est soleil, yon pays qui sans pareil, yon pays qui compte sourire. Yon pays tout petit, qui te yon paradis, c'est ça m'te contente. Kounye yamin grandi, malgré que ou changé, moi remè ou Haïti. Haïti, moi remè. Si vois pas que je n'en vois, qui voulait chanter l'espoir, y attendait. Haïti, moi remè. Si mes pas me l'autre main, qui veut faire ou avancer ou à changer. Yon pays des sauvages, qui était dans l'esclavage, qui était yon colonie. Yon pays méchanceté, que les ancêtres nous l'étaient, pour faire tourner en patrie. Yon pays tous les mains, côté nez contre goumen, pour prendre la liberté. Kounye yamin nous dit, malgré yon faire changer, moi même Haïti. Haïti, moi remè. Si vois pas me l'autre voix, qui veut chanter l'espoir, y attendait. Haïti, moi remè. Si mes pas me l'autre main, qui veut faire avancer ou à changer. Fait fête, yon pays qui fait paraître, les cabelles si nous voulons. Yon pays sans misère, petite li pape voler, et yon pape parler. Yon pays qui a belle fleur, que tout le monde compte, ouais, yon pays qui a chanté. Depuis que moi grandi, moi ici ou changé, moi remè ou Haïti. Haïti. Haïti, oui, 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 oui. Si mes pas font l'autre main, qui veut faire ou avancer ou à changer. Haïti, oui, oui, oui. Si vois pas font l'autre voix, qui veut chanter l'espoir. Ça que ça en si aux dates la directrice de vitesse internationale fait pour nous chaque mois et réellement que on dit mon yo si paye nous a payé ça en si m'bagonne comme nous avons Bali parce que pour tellement que son monde qui occupé son monde qui remet jeune tout extraordinaire moi même toujours quoi avec c'est pas passé devant lui avec des monde d'abou ça en si Haïti pas mourir malgré que n'a passé des difficultés Haïti pas mourir parce que nous avons dit que ni par corps et âme notre travail que l'affaire biol tout quoi biol on a moi c'est la voisine du pape on que lié on mais malgré tout le qu'on entend malgré toute occupation ni comme dit puis général ministre national pour créer dans ça pour nous que pour font émission et moi que son émission vraiment qui a fait chemin. Parce que les gens que nous tous invités, ce sont toujours des universitaires et des gens vraiment vrai, extraordinaires, comme l'ingénieur Joseph que nous avons dit, comme le professeur Tamar que nous avons juste en Argentine, bon, normalement qui travaille en éducation, bon, nous avons dit Brésil, que nous avons dit Brésil. Même Gabab Dino, son émission, non seulement que y a, le fait que nous participons aujourd'hui à l'émission, nous avons dit qu'il y a participé avec nous déjà. Et Florencia, tu vas participer avec nous, docteur Florencia. Docteur Florencia, vous participez avec nous, docteur Joseph. Oui, bonjour, Fabito. Oui, vous participez déjà dans l'émission. Il y a quelqu'un qui nous dit que
que li a fait semaine je dis à vraiment c'est sur l'éducation que lié et me croire que n'a salué deux gros autorités que nous gain là bon nous gain avec nous tout et Père Karl qui se dit et qui se coordonnateur pastoral haïtien nana Atlanta Achille de Atlanta nous gain Père Yves Fratou qui se coordonnateur pastoral haïtien nan nan Joseph West Palm Beach et que qui est avec nous ingénieur ingénieur Joseph nous même doit grand mot pour nous dire parce que fait en pile mission avec nous déjà et c'est mon nom même j'ai avec ça aussi qui va que me capable de répondre petit panel petit que nous gain là et je dis qui va que Chancy et les autres panélistes et bienvenue encore et bon à votre station préférée la radio télé Solidarité. Merci Fréton pour votre introduction pour faire après-midi hein? Malgré nous en retard presque de 30 minutes la première radio télé Solidarité qui va nous opportunité reprendre activité éducation et formation dans dialogue et dans construire ensemble une belle société côté nous chaque nous conscient de complexité société a complexité monde ça mais nous motiver pour nous porter roche par nous dans nouveau modèle monde la société que nous voulons après-midi nous pas moi pas faire une introduction base c'est-à-dire moi pas préparer aucune intervention personnelle moi voulais que c'est nous-mêmes qui soulignons là qui pour analyser, étudier, réfléchir ensemble sur thème nous va traiter. Et moi prend quatrième objectif et développement durable que nous connaissons 17 objectifs pour sauver le monde là selon Nations Unies. Objectif développement durable, yo, ben nous un plan route pour réaliser un avenir plus bon et plus durable pour tout le monde. Yo répond à défi mondial nous fait face yo tant que ça nous ka gen rapport avec pauvreté, inégalité, climat, dégradation environnement, prospérité, la paix et justice. Objectif yo tout connecté entre yo, yon ak lòt et de façon pour nous pas quitter personne derrière. Li important pour nous réaliser chaque objectif yo pour nous arriver construire yon monde côté qui vraiment gagne inclusivité égalité. Malheureusement, la vision temps vraiment difficile. C'est un temps qui marqué avec la guerre, changement climatique, concurrence politique, criminalité, investissement fantôme sous éducation qui empêche réalisation objectif ça. Nous allons parler après-midi du quatrième objectif de développement durable des Nations Unies qui c'est assurer un bon genre qualité éducation inclusif et équitable et puis faire promotion apprentissage pendant toute la vie au monde éducation t'es encourager mobilité socio-économique et puis c'est un moyen pour chapper en bas pauvreté pendant 10 ans qui sont passés gros progrès est fait dans améliorer accès à l'éducation, à augmenter inscription l'école dans tout niveau, spécialement pour les filles. Mais plus passé 260 millions de monde à adolescents qui quittent l'école en 2018. Presque un cinquième dans la population, dans le groupe LASA, en plus passé moitié dans tout le monde à adolescents. A gen niveau minimum yo ta suppose gen nan connaissance pou l'âge yo gen. En 2020 pendant pandémie COVID-19 la gaye à travers le monde, yo majorité pays imposé fermeture temporaire l'école yo. Plus passé 91% élèves à travers le monde té affecté. Nan mois avril 2020 fermeti l'école yo te affecté 1.6 milliard si moun ak jèn moun. Presque 369 millions si moun ki normalement dépend de manje scolaire, manje l'école, ki se yon sou serye nutrition, chak jou pou yo te oblige passe jounen yo san manje nan gran gou, ou bien jwenn des sous vraiment précaires pou te vivre.
pas jamais gen dans l'histoire en pile ti monde qui a abandonné l'école pendant 3 ans ça dans son vivre là 2019 2020 2021 ça ti monde qui pas tourné encore à cause de situation Covid ou bien conflit territorial côté l'école obligée fermée et ti monde qui passait de réalité enfantio ou bien à grands âmes ou bien à retourner soldat ou bien yo vann yo dans prostitution ou bien yo exilé yo dans non réalité côté en pile dans ti moun sa yo perdu enfance yo avant nous l'ouvrir débat qui concerne nous et moi va demander nous chaque nous présenter nous mais avant ça moi je voulais résumer quelques informations que nous trouvons dans l'institution statistique UNESCO disponible dans indicateur développement dans le monde là selon Banque mondiale. Il dit que 9 monde sur 10 finit l'école primaire. 3 sur 4 finit cycle fondamental. Malgré tout effort qu'a fait, seulement 2 tiers de monde finit l'école primaire, moins que 40% pas fini l'école secondaire. 244 millions de monde pas fréquenté l'école. Si nous prenons un petit temps pour nous garder ensemble quelques défis qui affectent l'éducation de monde et jeunes, dans le débat, ça nous va le traiter après-midi, nous carrément que nous mettons accent sur valeur éducation à problème que nous carrément le pluralisme éducationnel. Ça veut dire éducation qui complexe dans le sens que ou gen éducation publique, éducation privée, ou gen éducation ti moun la ville, ou gen éducation ti moun en dehors, ti moun section communale, éducation ti moun pauvre ak ti moun riche. Je veux dire nous pas réfléchir ensemble qui solution nous ka proposer pour gen yon éducation équitable inclusif et qui gen plus qualité. Nous même ka travay dans société parfois qui dans pays développé ou bien pays en voie de développement ou bien pays qui vraiment n'en pas développé dans Haïti si nous considérer la caillou côté malgré tout effort qu'a fait dans le monde là nous c'est pion dans pays dans l'Amérique latine là qui est occupé élevé si monde qui parle l'école et puis situation insécurité déséquilibre social fait chaque jour pays a fait en pile bac. Je dis à nous une possibilité intervenir pour nous dire qui ça nous a proposé au niveau éducation parce que nous mettre fermé les yeux nous source qui premier source développement dans la vie on peuple c'est éducation depuis gain éducation nous mettre gain espoir gain développement et pour détruire un pays premier ça ou détruire ce système éducatif depuis pas éducation depuis qu'il n'y a pas de capacité d'analyse et de réflexion, depuis qu'il n'y a pas de créativité, pas de développement. Ou pas même qu'à créer un mouvement politique avec un peuple qui n'y a pas d'éducation. Il est difficile. Éducation aide nous combattre misère, pauvreté. Alors, je dis à nous-mêmes, le travail que nous pouvons faire dans le dialogue que nous pouvons faire, je dis, c'est tout analyser ensemble, chercher ensemble. Comment nous capables, qui proposition nous est possible pour nous offrir comme élément de base qui va permettre pays noirs faire un petit pas en avant au niveau éducation avec Timonoyo, Jenoyo, malgré les problèmes socio-économiques que nous vivons actuellement. On a demandé nous pour nous présenter nous et puis au fur et à mesure on a demandé nous pour nous capable arriver analyser situation à partir de expérience que nous avons vécu d'un côté d'un vieux et puis où est qui proposition nous capable faire au niveau éducatif. Ma remercie nous on a commencé avec mon qui était premier autant pour Jean-Philippe ingénieur Jean-Philippe présente dit nous qui mon nom est et puis comme ça nous capable on aller. OK. Bonjour, bonsoir tout le monde. Et c'est vraiment un plaisir pour me retourner sur plateforme ça encore pour genre de discussion ça mon panel qui est vraiment diversifié, jeune, moins jeune, c'est vraiment encourageant.
Non, moi, c'est Jean-Philippe Joseph. Moi, c'est ingénieur dans le domaine de télécommunication. Et moi, je suis dans une phase où je suis vraiment intéressé à comment on a utilisé la technologie pour porter des solutions dans la société. Ouais. Et je crois que l'affaire développement, et développement en pays en particulier, pas qu'arriver sans que vraiment moun gen nan peyi an pa développer. Ça aurait le développement humain. Et au centre de ça aurait le développement humain, c'est l'éducation. OK? Et donc, intérêt dans la conversation là, c'est ouais, dans quelle mesure, tant que Annecy, vous avez parlé de pluralité qui gagne dans l'éducation, si moun la ville, si moun en dehors, et riche, pauvre, etc. Comment éducation, éducation de qualité, ou qu'a fait les disponibles à tout le monde, quel que soit côté que vous êtes? Et qui technologie qui cap facilité ça? Bien entendu, c'est pas pour remplacer, par exemple, un professeur, et c'est pas ça du tout, mais c'est comment on a utilisé les outils technologiques, ça, pour qu'on capote information de qualité, éducation de qualité, ça, à tout le monde, tout le monde qui est dans le monde. Vous savez, des statistiques là, qui sont vraiment alarmantes. Et en Haïti, il y a encore beaucoup plus aigu. Regardez, par exemple, près de 34% de monde qui sont dans la zone rurale en Haïti parlent l'école. Vous comprenez? Et bah, ils ont des effets sur le temps parce que leur a grandi. Ils n'ont pas gagné d'éducation. Et ils viennent plus difficiles. Et le plus souvent, les gens ont regardé leur, ils sont disponibles pour toute une série d'activités que, vous comprenez, qui ont dérangé la société. Donc, c'est intéressant à que bien, en résumé, comment on a utilisé technologie, technologie de l'information, technologie de télécommunication pour aider à l'éducation, pour faire l'éducation avancer. Donc, c'est encore un plaisir et je suis content de retrouver nous tous sur le panel. Merci, ingénieur. Et on a parlé avec professeur Wilner, Tamar, Wilmeus. Bonjour ma soeur, bonjour tout le monde qui est sur Pratoa. C'est un plaisir pour moi capable, ensemble avec nous matin, pour nous partager, pour assez l'idée sur les affaires d'éducation. Non? Moi, c'est Wilmer Ustama, on est Gaumon, je vis en Argentine, moi, c'est professeur en sciences de l'éducation. Et je dis à, je suis capable de dire, intégrer le système éducatif argentin. Et puis, moi, c'est infirmier, professeur dans l'université et en pile. Institution en formation, professeur, que moi travaille dans ici. La vérité, les n'a pas d'éducation, c'est un bagage qui intéresse moi. Et surtout, les n'a pas considéré la situation pays, non? Que tout problème que pays, non, m'a confronté aujourd'hui, nous sommes capables de discuter sur l'éducation. Parce que, pour moi, pour un rapide dans l'introduction, sur un site à fait aléa, elle n'est pas les investissements fantômes. Non. C'est le résultat ça qui cause côté nous aujourd'hui à tout. En plus, les investissements fantômes dans l'éducation qui n'est pas chita sur rien, qui cause nous. Ainsi que, non, moi là, moi disponible ensemble avec vous pour nous passer l'idée sur ça. Non? Merci, merci. Docteur Floquencia, on a demandé au souk à présenter vous. Bonjour tout le monde et bonjour Sœur Annecy. Déjà merci plutôt pour l'invitation parce que ça fait un plaisir en pile encore une fois pour participer ensemble avec nous dans le panel de débat ça. Et non pas c'est Floquencia Joseph, moi c'est étudiante en médecine en République Dominicaine, 5e année. Et c'est un plaisir pour moi ensemble avec nous j'aime sauter tout à l'heure côté que nous pourrons débattre sur un thème qui est vraiment important. Parce que nous connaissons l'éducation déjà, c'est alma mater, lycée centre développement pour un pays. Donc, merci. Merci, Fokensia. Et Nadi Bergine, s'il vous plaît, présentez-les. Bergine. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, donc, Bergine. C'est une Bergine Joseph. Moi, je vis à Atlanta. Moi, c'est un hygiéniste dentaire de profession et moi, évolué dans chaplaincy catholique haïtien qui est dans Atlanta comme coordonnatrice des jeunes.
Et c'est Gloria qui t'a invité. Moi, je suis content pour moi ensemble avec nous la matin. Et je pense que nous allons faire un bel débat. Merci, Virginie. Leslie, bienvenue. Moi, je dis tout le monde bonjour. Et merci pour l'invitation. Je suis content de participer avec nous aujourd'hui. Non, pas c'est Marie-Leslie chérie. Moi, je suis étudiante en médecine en République dominicaine. Pour moi-même, c'est un plaisir de participer avec. Merci. Merci, Leslie. Gloria. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Gloria Joseph. Habite à Atlanta. Je travaille dans le laboratoire, dans l'hôpital, avec un content pour participer dans le débat. Ça. Mon, je suis le moi, je suis un étudiant au niveau classique. Je vais faire un S4. Et moi, je suis un potentiel candidat pour le concours. Donc, je suis content avec nous aujourd'hui pour nous boire cette idée concernant le système éducatif que nous connaissons qui en baisse. C'est déjà un plaisir. Merci, Bovens. Bienvenue. Là, Yves Geoffra, c'est là, s'il vous plaît, présentez-le. Yves Geoffra. Hello, oui. Oui, bonjour. Bonjour. C'est Père Yves Geoffra. Moi-même, c'est coordonnateur apostolat haïtien dans la diocèse Palm Beach. Et ça, moi, c'est Père Yves Geoffra. Moi, c'est coordonnateur apostolat haïtien dans la diocèse Palm Beach. Et puis, c'est même bon apostolat haïtien pour. Dans les États-Unis, tout, nous écoutons même dans l'autre organisation. Et puis, c'est curé paroisse Notre-Dame qui est dans Fort Pierce, dans diocèse Palm Beach. Moi, content pour moi de participer avec nous dans le débat ça, sur l'importance de l'éducation. Parce que si pas de éducation, nous pas quoi. C'est ça que fait Haïti dans toute situation double là. C'est problème d'éducation. Nous pas de pile monde qui vraiment a. Prend ça qui est l'éducation pour yo ka privé développer pays yo développer famille yo etc. So moi content pour me participer avec nous. Merci Père Geoffra. Nous gagnons trois noms deux noms là qui pas gagné numéro numéro yo. Nous avons des mounios si yo ka changé écrit nom yo. Nous gagnons A55, nous gagnons Huawei. Namandeo Darwinski. Darwinski, si vous voulez, si vous voulez présenter Darwinski. Et à 55, oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, moi c'est Jeanne Francesco Lee. Donc, ça fait le monter à 55 ans, c'est parce que je ne vais pas conserver avec l'application ça. Donc, je compte vous inviter à vous participer à concours avec nous et pour vous recevoir quelques informations sur le plan éducatif. D'accord. Monseigneur, vous êtes actif, vous pouvez saluer nous au moins, Pierre-André. Moi content de saluer nous tous pour mon moment. Je vais demander tout pour faire un micro Yokounia parce que le micro fait interférence. Moi content de saluer nous tous. Sœur Anne-Sy, bonjour. Bonjour, Père bonjour. André. Bonjour, professeur Jean-Philippe. Bonjour. Professeur Wilmeus, bonjour Bergine, bonjour Laurette, non Laurette là sont l'autre nom. Bonjour Flo Kensia, bonjour Darwinski, bonjour Marie Nesli, bonjour Gloria, bonjour Père Yves Geoffra, puis bonjour A55, bonjour Frère Buto. Moi, vraiment pour un plaisir, moi content, moi avec nous aujourd'hui, pour moi participer avec nous, surtout pour moi, pour un bout de temps avec nous, parce que dans l'apostolat haïtien, nous gagnons. Et collège pastoral qui pourra fonctionner tout à l'heure, on va l'enseigner là-dedans. Même te voulez
pour moi te ouais visage non et puis pour moi te participer dans début et panel ça jeudi à sur éducation. Nous connais Jean causer ça important pour toute société en général et puis pour nous même en Haïti nous ouais qui limite nous gagnons dans système éducatif nous et chaque fois nous gagnons opportunité pour nous capable faire un pas en avant nous profiter. Moi-même, moi dans apostolat haïtien, moi c'est directeur exécutif et apostolat haïtien aux États-Unis. Moi content pour activité sur éducation n'a mené et puis moi complimenter, moi féliciter Sœur Anne-Cy pour participation dans accompagnement jeunesse noir et spécialement dans niveau éducatif. Très bientôt, merci pour opportunité ça à tout. Nous créer dans apostolat pour nous rencontrer jeunes noyaux moi aussi en pile côté Atlanta, Saint-Dominicanie, Haïti et puis l'autre côté toujours et moi quoi c'est un bagage qui positif pour nous rester connectés ensemble pendant n'a chercher route qui capable permettre peuple noir reprendre espoir, jeunes noyaux reprendre espoir. Merci. Merci monseigneur, merci beaucoup pour parole. Et tout de suite, on a démarré avec débat. On a commencé vraiment avec l'ingénieur Jean-Philippe qui travaille dans la communication. Il a dit nous qui genre quoi, qui instrument nous capable utiliser au niveau de communication pour nous arriver vraiment lever défi éducation pour qui il y a trois éléments importants que nous t'aimer que l'éducation atteigne. C'est équité. Côté tout le monde a même droit, inclusivité, tout le monde a même possibilité, inclusivité, équité, et puis surtout qualité, éducation de qualité. Alors, et trois éléments importants pour nous parler de une vraie éducation, pour nous parler de développement, pour nous parler de la vie qui change. Alors, ou même qui dans le monde de communication, qui genre ouais, instrument ça capable utile et qui moyen dans notre lumière pour nous capable de comme proposition pour qui ca permettre même si à petit pas monde qui dans niveau privé au public qui capable de utiliser moyen yo, parce que nous connaissons sinaton gouvernement en Haïti nous pas privé font pas en avant. Elle dit parfois, faut nous travailler sous périphérie, faut nous travailler sous réalité éducation au niveau périphérique pour nous arriver au point central. Parce que si côté nous, il y a nous-mêmes qui chita sous panel là, nous là grâce à la périphérie. Ce n'est pas grâce au gouvernement. Et c'est une très bonne question. Et je crois que c'est pratiquement ou embrasser. La question ça tout est défi qui vient dans l'éducation. Là on parle de équité, inclusivité et ensuite qualité de l'éducation. Maintenant, n'a vivre dans un monde qui c'est vraiment ça relé un monde digital. OK, nous toutes là même et débat que n'a fait là, n'a utilisé Zoom, cette technologie de communication qui permet que nous faire ça. Et t'es une émission que nous défendons, t'es parlé de, par exemple, en Haïti, problème qui gagne, c'est surtout, et Simone, qui n'a, on sait de l'école, plus ou moins correct, on sait de l'école qui pas correct, Simone qui est dans zone rurale, dans quartier défavorisé, comparé à Simone qui n'a, on sait de l'autre milieu, côté éducation qui correct, etc., etc. Maintenant, si n'a regardé ensemble de technologies qui existaient et qui peut-être qu'a essayé réduire cas ça qui qu'a fait nous adresser problème ça et principale technologie c'est technologie de l'internet nous toutes nous connectés sur internet nous avons un téléphone qui ça relève un téléphone intelligent nous cap bien accès à information etc. Donc c'est une pour moi même outil qui vraiment cap bien un apport à et comment on va résoudre problème éducation utiliser internet et comment pour utiliser internet c'est pas seulement tant que nous fait on aller dans Facebook etc. C'est comment ou capable dispenser connaissance ou capable et partager et connaissance comment ou capable faire des recherches à partir de
un téléphone intelligent à partir de un computer qu'on cap gagner à partir de un pad qu'on cap gagner. Donc y en a bagay nous t'a réfléchi sur Haïti comment et rapidement pendant que pays a un problème yo t'a cap mettre des systèmes comme ça en place pour aider l'éducation, c'est chercher tout meilleur professeur que nous gagnons dans tout sujet que a enseigné dans le système éducatif en Haïti. Bien entendu, contenu, il y a un monde qui est responsable ça, qui peut bailler un contenu qui est approprié pour le type d'Haïtien que nous avons gagné dans 10 ans, dans 15 ans, etc. Contenu, une fois que défini, c'est à enregistrer tout cours, par exemple, tout comment il a développé matière ça, par des professeurs qui sont vraiment compétents et qui sont pédagogues, et puis nous créer, ça m'a relé, une sorte de banque de vidéos. Donc, il y a toute vidéo, ça, pour tout sujet, que c'est dans science, que c'est dans histoire, que c'est dans langue, tout bagaille, ça, et très peu de fois, ça a fait, nous mettons dans une banque de vidéos. Et puis, il y a favorisé, par exemple, que toute l'école, yo, et c'est objectif que nous avons supposé atteindre, que toute l'école a gagné accès à Internet. Tout si monde pas obligé gain ça là caillou parce que nous connaît comment pays a mais au moins l'école là gain de programme qui ta ka mettre en place que c'est l'école publique que c'est l'école privée et puis au gain accès à internet donc si monde qui pas gain internet là caillien il ka aller l'école là bon côté bon salle peut-être gain droit gain deux trois pad deux trois et computer et puis connaissance ça ta cap disponible presque instantanément dans toute l'école ça bien entendu debout dit computer communication pour bon gens pour gain courant pas même si c'est deux trois panneaux solaires vous mettez mais gain accès à internet et ensuite bail yon et device yon ou bien téléphone yon pas d'un computer pour que moun ka gain accès à ça c'est peut-être yon nan façon qui pas coûte en pile et que rapidement yon te gain droit implémenter bail ça en série de côté dans pays hein, et qui ta ka permettre que même si moun ki nan zone ki défavorisé ki nan zone rurale la si zouti sa disponible ali et ben te gen droit gen accès à même type d'information à même type à même contenu que par exemple yon élève maronin ki Saint-Louis Gonzague comme ses références et gen accès ali donc ça c'est peut-être encore yon moyen côté nou te gen droit vraiment réduire écart ki gen et l'on parle de pluralisme éducationnel là réduire l'écart qui gagne entre ça qui favorise avec ça qui défavorise. Ça, c'est un. Deuxième bail qui gagne encore, là, nous avons des curriculums nous, en Haïti, que ce soit au niveau fondamental, secondaire, etc. Pas grand pile en phase que nous mettons sous technologie nouvelle, ça. On va regarder, et nous, non, mon côté, comme dit, tout le monde a communiqué, tout le monde, c'est-à-dire, le monde, connecté. Yo ta supposé font effort pour que si jeune haïtien ka pleuvé, gen apprentissage dans outil ça, comment yo ka utiliser un computer pour faire recherche. Par exemple, comment yo ka utiliser Google pour que yo même yo ka approfondir connaissance yo parce que une fois qu'on rien internet là, une fois qu'on un computer ou bien un cellphone et qui intelligent devant, c'est pratiquement ou connecté au reste du monde, ou connecté à toute connaissance qui vient dans le monde. Donc, jeune que n'a levé, yo t'a supposé tout cap gagner apprentissage à outil ça pour que yo cap connaît l'homme bien téléphone là, si par exemple professeur a prêté un sujet sous science, eh bien m'ka aller me faire recherche moi-même dans Google ou bien dans l'autre côté qui bail ça et puis comme ça, yo cap gagner plus connaissance sous matière que y a enseigné yo. Donc, je pense que deux bagages, ça, yo, ça va important. Premièrement, mettre un minimum d'infrastructures qui permettent que moun ka gen zouti à, et ka gen accès à outils qui, information, qui permettent information et télécommunication, ça, yo. Deuxième aspect, c'est dans le curriculum, là, même, pour permettre que jeunes haïtiens capables d'apprentissage à outils modernes, ça, yo. Et c'est comme ça, y a un cas plus compétitif par rapport à jeune qui a pleuvé, maronin, Saint-Domingue ou bien dans série de l'autre pays en Asie, qui eux-mêmes, dès la petite enfance, ils ont déjà joué avec bagaille ça. Et c'est comme ça qu'on connaissance acquérie qu'on y a. Connaissance pas seulement sous ban l'école, et ce Annecy, où tu parlais de ça tout,
pendant l'école là pour apprendre, mais comment exercice ça, car son exercice qui continue pour toute la vie ou toujours pas apprendre. Donc c'est gain accès à outils ça, quand j'en vous utiliser, chercher connaissance là qui est déjà disponible un peu partout, vous comprenez? Donc et puis comme ça nous cap créer un autre jeune, on l'autre haïtien, vous comprenez, qui a non seulement bien connaissance et qui cap peut-être utile pays les plus, parce que et nous en même temps tout fait pays en disant plus compétitif par rapport à l'autre pays qui a fait bagaille ça. Donc, en tout cas, deux mots, c'est deux aspects, ça, on t'a parlé. Par contre, quand il y a l'autre monde qui a l'autre opinion sur ça? Merci, ingénieur. Nous pouvons aller prendre trois. L'autre monde, après ça, on a demandé à monde qui voulait faire question sur ça ou Dio, et puis sur ça, l'autre monde Dio. Et on a demandé à monsieur Kernizan s'il voulait présenter lui, et puis nous avons des rosiers qui arrivent tout. Est-ce que Kernizan est en ligne, s'il voulait présenter lui? Hey. Mm-hmm. M'espère que nous t'entendons. Nous t'entendons, mais nous ne pas. Bon, il y a des difficultés. Pas de problème. Moi, c'est qui des Kernizan? Moi, c'est mon Kouade Bouquet. Moi, c'est un ingénieur civil. Dans le temps, moi, j'étais éducateur. Mais comme si on bagaille, moi, croyais là-dedans et à 100%, moi, retourner là-dedans encore. Très bien. Pas comme éducateur direct, même si c'est faux, lim ça. Mais avec famille, avec zami, avec certains monde dans la communauté, la serre, la côté que pas de jambes dans l'école du tout, moi, j'arrive à mettre en place en l'école. En l'école que nous créons en 2015, et que l'objectif, c'était prendre un tout petit dans zone 3 ans, 4 ans, et grandir avec eux en façon pour nous assurer nous, que nous avons une éducation de qualité. Nous passons de un effectif de 25 timoun en 2015, je dis à nous à 330. Il faut me dire non, c'est une zone côté l'école pas existé du tout. Donc 330 timoun, c'est 330 timoun qui pas gain aucun côté au parler sinon de vagabondage. Maintenant en guise en plus de présentation là, moi tendre avec un pile attention et exposer ingénieur Joseph là. Sous une autre manière d'éduquer. Il entre profondément dans l'esprit moi, m'a dit à Joseph que déjà, moi j'ai tous les outils ça que le dit dans l'école là, et que m'ta aimé exploiter yo. Mais moi j'ai deux handicaps majeurs qui échappent à contrôle moi. Yon c'est phénomène d'insécurité qui dans zone et qui empêche que conseil de monde en gain accès. Et deuxièmement, Internet là, tel que lié en Haïti, qui jeudi a fonctionné bien, demain matin fonctionné mal, jeudi a 15 minutes. Donc, moi j'ai tous les outils, moi j'ai le computer, moi j'ai un branchement électricité en permanence parce que nous avons panneaux solaires et tout barré. Donc, nous avons un laboratoire informatique qui déjà gagné 40 ordinateurs que Timoun a fonctionné avec. Maintenant, est-ce que je garantis que Timoun a fonctionné très bien? Moi, je ne peux pas garantir ça parce que Internet là était un problème. Donc, l'on a 330 timoun, il faut gagner un moyen pour rouler effectif là pour que 330 timoun accède à Internet. Là. Maintenant, l'on a pour le moment là et que je travaille sur lui, c'est possible que pour timoun fait consultation à travers de Google pour que yo même yo capable d'imprimer yo de possibilités d'éducation. En gros, c'est ça que je peux dire comme présentation. Et très bientôt, je vais prendre contact avec ingénieur Joseph pour que il est capable d'orienter nous vers une meilleure façon pour nous utiliser les outils qui sont à disposition de tout le monde. Merci beaucoup de l'invitation que nous avons fait maintenant. Et Anne-Si, je suis bien content d'entendre, même si au départ, je n'ai pas tant d'exposé parce que j'ai des difficultés d'accès. Mais à partir de ça, je m'entends là, je comprends. Merci. Merci pour l'invitation. Et puis, ingénieur Joseph, je vais retourner sur vous pour me garder qui moyen qui a aidé dans le domaine ça. Bon, n'importe là, et ça avec plaisir. Madou, ça m'a partagé à coup, et ça que je connais. Alors, si je capé juste sous question Internet et bien accès à Internet, là, comme nous connaissons son service, que c'est compagnie téléphonique qui peut bailler. Et il y a un problème qu'on vient, étant que l'ingénieur Kernizan se dit, ou bien nous avons une zone côté compagnie, ça, il n'y a pas de business là. Il n'y a pas d'avantage, par exemple, pour faire des installations
et que pour ta bay gens de service ça dans zone ça peut-être parce que pas gain compte moun yo ou penser que pas bon clientèle etc. Et c'est là l'état dans pays hein t'a supposé et à l'avant-garde de bagay ça a créé des programmes côté yo gain droit non seulement et bay comme on t'a dit ça des subventions pour que compagnie qui déjà sur place yo OK bay internet ça bay accès à internet là un peu partout dans pays hein. Non seulement bay service là un peu partout mais bay un service tout qui de qualité de telle sorte que si c'est non, on recherche ou faire internet là on peut obligé chaque fois qu'on rentre en bagage c'est 2-3 minutes ou attendre avant qu'on ait une réponse et cetera. Donc l'état a un rôle pour ta jouer régulateur que nous en Haïti a un rôle pour jouer pour travailler avec opérateur pour faire en sorte que service ça soit disponible un peu partout dans le pays hein? Et à un prix tout qui plus ou moins modique que moun ka paye pour yo. Maintenant technologie en tout toujours à chercher façon pour résoudre des problèmes que peut-être on l'état pas ka résoudre ou bien que yon compagnie en particulier pas ka résoudre. Et par contre si nous connaît de nos jours gagné yon l'autre service que offri sur internet à partir de satellite. Bon compagnie que rele Starlink. Par quoi il y a une permission déjà pour fonctionner en Haïti, mais il exactement adressé problème ça. Côté il utilise des satellites à basse altitude et puis ou même sans besoin, il voyait on sorte de anti antenne, t'as comme là du petit même qu'on pizza, ouais, sous caprin size là. Et puis quel que soit côté courrier, il y a mettez système là en place qu'on y a, mais quel que soit côté courrier sous la terre éventuellement, wapka installer ti antenne ça et puis lui même la boyon service internet à haut débit et cap ka satisfait tout besoin qu'on gagne ou juste besoin gagne courant localement pour que appareil ça ka marcher mais pas gagne problème que ah mon cher même dans tête mode là et compagnie pas arriver là ou bien nan mitan ba konn zile yo pas bay service nan zile quel que soit côté ou ap ka joindre service ça dans la mesure où ou servi avec si antenne que vous et vous hein? Et puis ou gain quoi donc ça c'est des bail qui prometteur et c'est là que moun qui dirige un pays hein, qui pense pour pays hein, t'es supposé à chita à chercher rapport ça yo ou comment nous pas ta peut-être engager compagnie ça yo ou est-ce que pas ta un programme à travers banque mondiale etc. pour que en définitive avec un objectif que toute l'école en Haïti ka gen accès à internet. Nous pas ka garanti que tout si moun la ka yo gen, mais si aller dans l'école, même jan l'école là faut gen tableau, faut gen toilette, faut gen etc. etc. Nous ka mettons des programmes comme ça en place pour que éventuellement toute l'école dans pays d'Haïti gen accès à internet et qui ka faciliter ti moun yo faire apprentissage par eux-mêmes et connecter à tout ça qui existait en termes de champ de connaissances qui gen dans le monde. Merci ingénieur. On a demandé professeur Wilmé justement qui est dans éducation et qui travaille en Argentine, qui a des expériences sur un pays et qui connaît la réalité de l'éducation en Haïti. Qui sont capables de nous dans le débat ça? D'accord, merci ma soeur. Et première question, même dame, posez peut-être. Nous avons parlé de l'éducation. Toujours demandé qui vision responsable nos autorités nous dans le pays nous gagnent les parler de l'éducation. Qui côté vous voulez mener jeunes? Parce que ne pouvons pas parler de l'éducation. Premier éducation parler de une politique ou une politique et qui va mettre en place pour nouvelle génération. Hein, pour, parce que c'est pas politique, mais c'est pas résultat ou jeunes. Dans le même moment, c'est toujours des décisions à long terme. Et bien, c'est ça qui nous manque des fois en Haïti. Nous avons toujours besoin de résultats rapides, nous ne pensons pas à long terme. Et tout ça a passé à travers des politiques. Politique, ça a été fait à travers la loi. Est-ce que nous avons une loi sur les affaires d'éducation en Haïti? Oui, nous avons un bon décret qui parle sur l'éducation, comment l'organiser. Mais est-ce que ça a été adapté à la réalité que nous avons vécue? Parce que nous avons le 21e siècle, est-ce que vous répondez à la nécessité de
Donc, il y a obligation que nous gagnons dans le moment ça. Moi, pas quoi. Non. Parce qu'on y a ma pli, bah ouais, on gagne rien pour ensemble avec la réalité dans la vie. Ça, pour y arriver, fait, nous avons besoin de dirigeants, dirigeants qui pour penser dans ce sens ça, pour voter loi, nous sommes capables de dire qu'il y a pour eux avec nécessité, avec politique, pour nous définir une nouvelle politique dans la matière d'éducation. Pour chaque niveau. Ce n'est pas une loi globale pour nous partir dans ce sens. Par exemple, ici, en Argentine, et comment l'éducation est organisée? Il y a une loi nationale sur l'éducation, et puis dans chaque département, ou bien dans chaque province, j'en ai capable de là, il y a une loi tout en, sur l'éducation, qui est basée pour résoudre le problème dans le département, ça, ou dans la province. Ça. Et après ça, on vient joindre les municipalités, ça nous est la mairie. La mairie qui, même tout, yon gen parti par yon joué dans ce sens-là. Et tout ça, yon commence depuis nan, et éducation initiale, passer pour un primaire, passer pour un secondaire, juste pour arriver dans l'université. Là, yon même yon vision, yon gen un mode de, yon gen jan de moun yon vle former. Mais yon, nan base nécessité ki yon gen, non seulement pour le moment, mais c'est sous ça et ouais qu'a venir dans le futur là et puis là ça il est capable il gagne une base légale pour agir parce que si n'a pas les éducation nous pas parler d'éducation capable dire non formelle ou bien éducation informelle n'a parlé de une éducation formelle côté nous besoin n'a former des professionnels pour capable servir non seulement pays capable servir monde capable servir le monde. C'est pour ça, même si on est capable de gagner toute bonne décision, on est capable de gagner l'idée pour innover dans la matière d'éducation, si on n'a pas gagné une base légale, on est censé travailler, on va faire un petit bagage à part. Parce que l'éducation, c'est affaire de l'État. L'État doit prendre ça en charge et chaque gouvernement a une obligation pour le travail, pour le même pays en fonction des nécessités. Et puis, depuis là, on va venir jouer. Tout ça n'a pas parlé d'équité, inclusivité, qualité dans l'éducation. Et pour jouer un résultat, ça y est, vous avez besoin de monde qui est formé dans chaque discipline. C'est ça que nous avons en Haïti. En Haïti, tout problème que nous avons là, nous avons un problème dans le monde qui a formé le monde. C'est comme si vous avez un petit monde, un adolescent, qui peut quand même fin grandir et puis qui gagne tout le monde la plaire. Tout le monde qui a grandi tout le monde. C'est ça qui arrive dans l'éducation en Haïti. En nous regarde qui est-ce qui professeur en Haïti. Non, c'est tout le apprend dans le apprend primaire ou apprend secondaire. En pile là yo c'est monde qui fait philo capable dire qui fait 100 pour qui capable te fait 80 ou bien ou fait 300 sur 300 pour mathématiques. Vous faites ou bien vous êtes lauréat dans philo, dans reto, dans 9e, dans 6e année. Et bien, vous êtes professeur. Qui est-ce qui est responsable pour former? Allez, ce n'est pas parce que vous faites 100% pour en matière que vous êtes prêt pour capable de former le monde pour ça. Parce que lorsqu'on parle d'éducation, ou bien base pédagogique, didactique, ou bien une vision, ou devez recevoir une formation pour ça. Allez, c'est un monde qui est bien formé, capable de former le monde. Mais si le monde n'a pas fini de former, et puis la former le monde, la prévente même ça a appris, des fois, il a appris mal, et puis, il y a allé en ça. Ah, mais, ou pas, je n'en plus le jeune qui a grandi, tout jeune ça, il y a trois points. Haïtien, même s'il il finit l'université en Haïti, mais garde capacité pour lui penser, pour lui innover. Il n'est pas tellement gagné, non? Il a plus gagné tendance à la répétition, à répéter. Mais est-ce qu'il produit? Non. L'école en Haïti, nous, il n'y a pas montré, il n'y a pas vraiment formé nous pour nous penser dans son sens. Il y a toujours été dans le même système paquet. Je ne sais pas connaît, si nous faisons. Si nous regardons dans l'autre pays, tant qu'on a côté lié, non. Ce n'est pas seul, ce n'est pas paquet. C'est ça qu'on dit. Comment on va appliquer? Est-ce qu'on a un côté pour appliquer? Si après enseigner mon bagage, je n'ai pas un côté pour m'appliquer,
Eh, mais il pas une nécessité pour moi. C'est même là en Haïti. Ou pas capable d'enseigner tout le monde comment pour lire le conduire avion. Et puis il va même voir l'aéroport de côté. Il va même voir l'aéroport dans les zones. Il va même voir l'avion. C'est seulement parfois le cas où il est en l'air. Eh, mais pas une nécessité. C'est vrai, il est capable d'une connaissance qui avait été pour plus devant. Mais pour le moment, il n'est pas. Eh, mais c'est ça. En Haïti, nous n'avons pas choisi priorité. Je dis à nous avons pile de ressources, nous avons pile de bagages que nous sommes capables d'utiliser. Par exemple, nous avons le soleil. Est-ce que nous avons monde, est-ce que nous avons une discipline qui a formé nous comment pour utiliser le soleil? Tout ça, nous avons apprendre dans l'école. Je dis à soi, Ponti Argentin, il n'y a pas besoin de finir l'école, de finir le secondaire, plus ou moins. Il y a une installation à la caille. On tient installation électrique, il est capable de brancher tout le bagage qui vient pour avec plomberie, etc. Il n'est pas professionnel 100%, mais il apprend ça à l'école. Là. Mais l'école, nous, en Haïti, il n'est pas vraiment, basé sur ça. Ni dans sa fait culture, ni dans sa fait tradition. Moi-même, toujours, j'ai un problème ensemble avec Haïtien, dans le côté de mon travail. Des fois, je joue une autorité ici, je demande Haïtien. Et parlez-nous de Haïti. Présentez quelques activités sur Haïti qui caractérisent, qui représentent le pays. Il n'y a pas de jeunes. Tout parce que, vous ne pouvez pas dire parler de culture, mais est-ce que vous enseignez la culture? Moi-même, dans toute trajectoire dans l'école en Haïti, dans la primaire, secondaire, pas vraiment gagner un bagage qui. Ou capable de dire ça, c'est pour ça, c'est Haïti, ou capable de présenter ça avec l'étranger pour parler des pays, pour dire c'est salié, etc. Pas vraiment rien, ça, c'est mon celui des bails. On capable de dire grosso modo, yo parle, mais ou pas joindre, yo vrai. Allez dire, yo pas formé Haïtien hein, pour Haïti. Depuis là, nous avons besoin de politique en matière éducative qui pour former Haïtien hein, pour Haïti. Et puis, laissant capable de jouer. Vision, capable de dire, et dans le futur, ni dans le présent, tout, qui est capable de permettre la mentalité haïtienne, ni capable de changer. Ou faire mon pensée en haïtien. C'est ça qui est comme le plus gros problème nous en Haïti. Et c'est ça que l'on parle d'éducation en Haïti, ou pas qu'on est qui plan pour moi, ou pas qu'on est sous qui base pour camper. Je dis à tout le monde, dit qu'il a besoin d'éducation en créole. Moi-même, je suis 100% d'accord avec l'éducation créole. Mais, et si je veux faire une recherche dans la sociologie, dans la philosophie, dans pile de l'autre matière, nous avons quelques auteurs qui nous ont consulté pour me garder pour me faire. Pas gagné. Tout ce qui est des décisions à long terme. Mais, j'ai commencé à dire, en pile d'investissement fantôme, nous cherchons des résultats très courts. Nous tombons dans le même cas que nous avons pris une décision rapide qui n'est pas privée de crasse côté. Comme solution, nous avons besoin de retourner à la base. Nous avons besoin des hommes politiques, des femmes politiques qui basent, qui développent des lois. Premier, ça, nous avons besoin de base légale. Nous avons besoin des lois qui avec des visions à court et à long terme. Pour l'éducation. Et dans chaque niveau, depuis initial, primaire, secondaire jusqu'à universitaire, pour nous définir qui contenu, qui genre des Haïtiens ont besoin, qui genre des monde ont besoin pour former, mettre des institutions de formation pour professeurs, pour ne pas gagner des professeurs qui ont répété, qui ont enseigné des bagages, même eux-mêmes ne savent pas enseigner. Nous avons des professeurs. C'est comme ça, merci n'a pas capable de bon résultat à long terme. Merci, Mathieu. Merci tout le monde. Merci, professeur. Et comme vous dites, vraiment, tu as besoin de gagner des femmes et des hommes politiques à penser en éducation. Mais dans le cas ça, première base là, il faut gagner des écoles de philosophie politique pour former des politiciens, des personnes capables vraiment et gain niveau pour capable réfléchir parce que si ou pas gagner base là comment on va faire gagner des monde qui dans tête ou capable gérer
yon réalité qui est même peut-être pas eux, yon pas gagné. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Ça veut dire, c'est un devoir tout, c'est un devoir tout pour les gens qui allaient tout belle. Haïtien a une ressource immense à l'étranger. Et en plus, fois, nous-mêmes, quand nous allons à l'étranger, nous oublions si c'est ressources haïtiennes. Parce que, pas maintenant, tête nous, que nous gagnons politiciens en Haïti qui sont capables de faire ça, de demander là, parce que, en pile, dans mon nous, qui est en politique, il y a vraiment gagné des précarités éducatives telles, nous n'avons pas gagné une vision, parce qu'il n'a pas gagné vraiment une éducation pour être capable de gagner une vision. Ou pas demander et yon moun pou kapab fonde forme yon culture éducative avec yon anthropologie de la personne. Si moun pa comprendre ça veut dire anthropologie personne, ou pa kapab mande yon anthropologie culturelle si moun pa même comprendre ça veut dire mot culture. Ça veut dire au fond c'est nous même Haïti besoin que petite li gagne que te formé qui a ressourcé dans l'autre pays, qui arrive ou gagne l'autre expérience, qui enrichit yo avec expérience culturelle l'autre pays, yo, ta supposé organiser yo un mouvement pour ta rebay Haïti sa ou te recevoir. C'est un devoir de conscience et morale. Parce que nous pas qu'à demander politiciens en Haïti, yo, ni nous pas qu'à demander système haïtien qui Haïti actuellement, ça l'a dit, parce que li pas existé. Depuis 2006, depuis avant même 2006, il y a combattre la philosophie en Haïti. Il a dit, comment vous faites un peuple qui n'a pas dit, qu'en pensez-vous? Que ou pas réfléchir à tout le monde? Oui, on va faire analyse de, on va faire analyse d'histoire. Ça, c'est mon appel à l'analyse. Il n'est pas même capable de comprendre ça, je veux dire, une hypothèse. Après, première condition, nous devons faire, depuis la première, nous devons rédaction, élocution, rédaction, pour nous passer dans la dissertation. Tout ça va éliminer peu à peu. Ça veut dire que nous devons gagner l'éducation, parce que la première condition pour gagner l'éducation, pas mon nom qui a perdu qu'à penser. S'il n'y a pas qu'à penser, pas gagner l'éducation. Faut penser. Et c'est tout ça qui, comme moyen technologique ou quoi, tout capable d'utiliser, si il y a pensé. Parce que pendant. Ingénieur Jean-Philippe Paléa, songez que l'ente directrice Collège Marie-Régine Carrefour. C'est normal que moi connais que nos populations pauvres, côté si mon n'a pas gain internet la kali, côté li pa gain computer la kali, côté li pa gain. Mais ça pas pour autant que éducation pas de qualité. Alors, mais pour éducation de qualité, face fol gain moun qui capable réfléchir, qui créatif dans tête qui capable trouver. Eh bien, qui ça va faire? Il y a une richesse énorme en Haïti. Avec la télévision nationale, tu as gagné vraiment un vrai, un bon directeur. Mal dans la télévision nationale, moi fais le pas moi CD, enregistrer pas moi toute science de la vie. Comment ils font une opération cœur ouvert, le système et neurones, toute ça, toute partie biologique. Yo. Toute partie culturelle, les faunes, la biodiversité. Moi, je fais la géographie, mon atlas du monde. Moi, je fais toute sous vidéo. Eh bien, moi, je forme une salle de sciences. Côté, je n'ai pas besoin d'Internet pour tout le monde étudier le cœur humain. Je n'ai pas besoin d'Internet pour étudier l'importance sans dans la vie monde. Il n'y a pas besoin d'Internet pour le capable de faire un premier soin à un monde qui perd du connaissance, qui font un accident, ou mettre tout le monde dans ça, ou faire expérience avec télévision, avec projecteur, ou mettre pour le capable de faire expérience. Après, on fait expérience pratique. Moi, je viens inventer foire, justement, parce que on vient faire tout le monde capable de vivre créatif pour le capable de faire un pour le capable d'appliquer. Ça veut dire, sous nos pays pauvres, il faut chercher des instruments adapté à une réalité précaire. Mais pour capable faire ça, première condition, il faut ou gagner capacité créative. Parce absolument, c'est à nous. Parce que si vous avez une capacité créative, même si vous gagnez tout instrument, tout Internet, vous ne pouvez pas apprendre rien vrai. Absolument. Alors, on a tout des gaffes, hein? On a tout des gaffes au travail pour Google, Apple, ouais. Facebook, Amazon, mettez pratiquement jour dans Facebook pour dire on va manger, habiller, faire des photos, défiler de mode, etc. Habiliter tout en tant que monde parce que au fond, tu n'as jamais été formé pour être humain.
yo formé pour être commercialisé, pour tourner un instrument de, de consommation. C'est-à-dire, l'éducation m'a exigé vraiment la créativité. Oui, alors tout ce tout dit là, c'est absolument correct. Sans contenu, hein, vous comprenez, pas d'éducation, pratiquement. C'est ça. Alors, ça m'a besoin de dire, c'est que même expérience qu'on fait Carrefour là, si m'a peut-être besoin répéter expérience à B2N et Caris, OPH, côté ça, il y a deux outils. Ou pas besoin de prendre tout le dans la télévision nationale, il y a deux outils dans la télévision nationale. Et, puis, outils, ça, tout contenu, ça, disponible au PH, Bombardo Police, etc., quel que soit côté courrier. Alors, c'est ça que technologie en fait. Technologie n'a pas créé absolument contenu ou bien, c'est pas ça. Il est juste facilité. Les gens qui ont dispensé contenu hein, et fait que contenu ça disponible à tout le monde. Quel que soit côté. C'est pour ça. Oui. Non, non, normalement. Normalement, c'est sauf celui qui est juste. Parce que, ou pas obligé de faire un voyage à longue distance pour porter matériel ou de gagner matériel, il suffit que ou bon gouvernement qui élaboré. Clairement, il faut que nous pouvons toucher avec nous, c'est déséquilibre social que Haïti a vivre actuellement. Haïti, ou bien un système éducatif, par exemple, ou bon ministère de l'éducation, côté Haïti investi. Non, pas qu'un opérateur professionnel éducation dans le ministère là. Et opérateur ça yo, après, yo fin fait doctorat dans l'éducation, yo fin étudier, pour yo ka fait yon conférence pour yon école, pour yo mando en américain, 2 000 $ américain, 3 000 $ américain, 4 000 $ américain, comme si tant coup c'est pas de voyou. Et pourtant, l'État investit dans yon pour yon tourner des agents de transformation éducative. Ça veut dire un problème fondamental dans Haïti. Nous ne pouvons pas analyser quand graine sociale et réalité haïtienne, non? Parce que pour développer Kounia là, c'est à quoi nous avons qui ça nous avons fait. Et premier apport sur instrument communication très important qui capable l'école qui va coûter nous des idées tout ça qui est internet qui est capable vivre utiliser moyen ça pour capable bailler l'école la qualité pour capable créer vraiment plus d'inclusivité si on monde qui font ça le même genre et monsieur qui a mis en soutien pour faciliter plus intégration sociale nous même nous là on a bailler des idées positives pour capable former pour nous capable mais pour nous pas jamais oublier que n'a pas les dons réalité de gangrène de corruption très fort au niveau de tout système qui détruit en Haïti parce que il y a un système de corruption terrible qui permet tout avancer à grands pas et non seulement un système de corruption fort il y a un système de médiocrité très fort parce que vous voyez toute catégorie professionnelle passe moyenne haïtienne non, à l'étranger à cause de l'insécurité tout pour aller. Qui est qui est en Haïti? Ce sont les enfants, les personnes âgées et les bandits. Alors, vous comprenez, si vous avez si vous avez qui est dans le pays, qui est-ce qui a formé? Voilà le problème. Oui. C'est toute la journée
nous dit faut que ça change. Faut que ça change. N'a plus de pour ça capable de changer. Changer. Faut que ça change. Faut que ça change. Faut que ça change. Faut que ça change. Nous dit faut que ça change. Faut que ça change. N'a plus de travail pour ça capable de changer. Changer. Faut que ça change. Faut que ça change. Quelqu'un la paix, les droits nous pas respecter. Pas quelqu'un la paix, les y a pas vraiment. Pas quelqu'un la paix, le monde a exploité. Faut que ça change, faut que ça change.